Salut à tous, c'est ARS et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va parler un peu de la triche sur Fortnite en ce moment, car c'est un sujet qui le monde en ce moment sur Fortnite, je parle hein, bien sûr. Donc, je vais parler de ça parce que il y a 2-3 semaines, non, même pas, il y a 2 jours, c'était la nouvelle saison de Fortnite. Et comme d'hab, tu vois, on faisait un peu d'arène trio avec mon frère, donc TBE et SKWatch. Et là, vous voyez, je suis vers Catty Corner. Vous voyez où c'est sur la map si vous jouez un peu beaucoup. Et je prends une tête au snipe en répulsive violette hein, bien sûr à 115 mètres. Et le pseudo bien sûr c'était un russe. C'était russe, regarde. Certes c'est un cliché que les russes trichent et tout, mais faut pas mentir que 95% des joueurs pro russes ils ont un petit client, un petit system hein, comme dirait notre ami Meshoué. Donc déjà je vais vous montrer différents types de cheats. Bah déjà je vais vous montrer la vidéo, je vais vous montrer. J'ai pas cette vidéo là, mais j'ai une autre vidéo où je prends en full tête et puis mon pote il se full rush et on sait les mecs loupent 0 balles quoi. Donc là déjà je vais vous montrer ce que c'est une macro, donc ça c'est pour les éditeurs. Donc faut savoir que je joue manette, hein, j'ai 0 level quest. Ouais. Ça ce que je fais là, je suis incapable de faire quest. Ouais. Donc ça c'est juste des double hits avec un boost. Mais... Donc vous voyez déjà ça facilite grandement le jeu. Hein. Les macros, franchement, je comprends pas pourquoi c'est pas interdit encore. Disons que c'est pas autorisé, mais c'est pas interdit. Donc, franchement, je comprends pas pourquoi c'est pas interdit. Donc, vraiment, regardez. Hein. Faut savoir que j'ai à peu près un niveau équivalent sur manette, mais vraiment, j'ai très hâte de. Ça, je suis vraiment très rapide. Donc après on a parlé du soft aim, on a parlé de ça, maintenant on va parler d'une technique utilisée par les joueurs clavier souris. Donc on va voir par exemple Nate et Skaden. Donc Skaden utilise une macro pour se déplacer, ce qui lui permet de tricher. Alors que par exemple des joueurs comme Nate, je connais Nate, hein, je cite un exemple, eux on bind 2 touches pour le faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Allez hop. Par contre M c'est peut-être pas la meilleure touche, on va mettre ça en... Hop, je peux regarder à ma gauche en diagonale. Donc si je prends ma manette, on va vous montrer que je peux le faire. Or, si je prends mon clavier souris et que j'appuie que sur une des 2 touches, vous voyez que c'est presque impossible de regarder à la verticale. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, vous pouvez pas courir droit. On va faire ça avec des sols, ça va être plus simple pour expliquer. Donc là, vous voyez que là, je sors pas du sol quasiment. Je regarde juste. Et si j'appuie que sur une touche, je bouge pas mon curseur. Regardez, là je bouge pas mon curseur. Et là j'appuie sur 2 touches et je bouge pas mon curseur. On voit clairement la différence. Donc c'est plus utile pour spec à droite. Bon, c'est pas ça qui va vous faire gagner des cash cups, des daily cups et tout. Mais ce qui est le plus important, c'est que il y a des joueurs pro comme Nate qui bannent 2 touches et il y en a juste qui bannent 1 touche. Donc ce qui fait un gros avantage pour les cheaters qui macro. Donc voilà. Donc là on est allé un peu sur le sujet des macros. Donc faut savoir que c'est interdit. Mais pour moi je trouve ça pas très grave par rapport au soft aim. Le soft aim c'est quoi? C'est un aimbot non cramé. Donc c'est à dire que vous allez pas. Les clips que vous voyez souvent sur Fortnite c'est. Par exemple, Xbox Controller au FNCS, c'est le mec, vous vous souvenez, qui rentrait dans les box avec TPM, qui mettait que des têtes. Un soft aim, c'est pas ça. Juste le mec peut toucher de hyper loin, il met quasiment que des têtes, mais bon, des fois, il met des balles encore. Tu vois, c'est pas 100% de précision, tu vois. C'est genre 90%, mais c'est beaucoup moins cramable et c'est beaucoup moins ban par Fortnite. Donc, faut savoir qu'il y a beaucoup de joueurs pro qui sont sur des cheats, hein. Donc, des joueurs pro assez connus quand même. Et les trois quarts c'est des russes, hein, on va pas se mentir. Je vous mettrai une petite liste qui s'affichera à l'écran maintenant. Et après je vais vous mettre un tip de moi et mon montrer ce que j'ai pris en game. Donc il faut savoir que dans les extraits qui vont suivre, vous allez entendre que je vais dire c'est des russes, car il y a beaucoup de joueurs pro russes qui sont suspectés de soft aim. Donc c'est à prendre à la légère, je n'ai rien contre les russes, hein, voilà. Je vous laisse avec le clip. L'avion, hein, TBE, ça donne. Frère, c'est des russes. Ouais, j'en ai buté un. Ah bah voilà, j'ai pas frère Ardor, mon mort, non? Oui.
Parce que ouais, tu viens en cadeau pour ça. Il y a des Russes qui me courent. Mes frères, ils m'ont suivi de l'Asie. C'est des Russes. Regarde leur pseudo, c'est des Russes. Oh, je l'avais dit. Moi, je me suis fait ban juste parce que quand j'avais 13 ans, j'avais dit que j'avais 13 ans. Alors que maintenant, c'est des Russes. C'est des Russes. Notre c'est des Russes. C'est des Russes. La vie de ma mère, c'est Softame. Ils Softame pas, je me coupe une couille. Hein. Mes frères, c'est grave. Mais c'est rare. Donc voilà, je vous ai un peu parlé du sujet. Je referai une vidéo comme ça si ça vous plaît. Et pour les macros, comment installer une macro, qu'est-ce qu'une macro, tout est expliqué dans une vidéo que je vous mettrai le lien en description. Donc pour avoir, si vous voulez avoir une macro aussi rapide que ça. Donc... Je tiens juste à dire que je ne macro pas, je ne conseille pas les macros car je suis un joueur manette, je ne peux pas macro. Et que je trouve ça complètement stupide de macro. Après si vous voulez flex entre amis pour faire flotter des potes ou pour faire des salles invisibles. Allez check ma vidéo, mais je ne conseille en aucun cas les macros et je n'approuve pas du tout ceux qui cheat. Voilà, c'était le petit message avant que vous voyez la fin de ma vidéo. Donc là, faut savoir que je m'exprime pas très bien, donc une macro, là ça veut dire que là, ce que vous voyez à l'écran là, je n'appuie que sur une touche qui est le bouton droit de ma souris. Donc voilà. Sinon c'était ARS et j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais faire une petite pause de 2 semaines car il y a la rentrée et que je rentre au lycée. C'était RS et bonne rentrée à tous. Je sais que je déteste quand tout le monde dit ça, mais bon, c'est l'actualité du moment, c'est la rentrée. Hein. Même si j'ai pas du tout envie de rentrer, qu'on se le dise. Hein.